Comme ça. Voilà, c'est tout ça de mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je crois que je suis en train de filmer à l'envers, je sais pas. Enfin, de toute façon, je suis retournée vers le pire. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'enlève la capuche parce que comment vous dire que je suis en train de crever. Alors oui, comme vous voyez, je suis on a flic comme Jaja parce que je suis en train de faire un shooting pour la boutique. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est de ma boutique New Hope. Je sais absolument pas où je dois regarder en vrai, vu que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc du coup, j'ai une boutique en ligne de vêtements, accessoires. Donc il y a, vous pouvez trouver, donc, comme je l'ai dit, des vêtements, donc de tout type, pour les femmes pour le moment. J'ai l'intention de développer ça et de faire pour les enfants, pour les hommes, etc. Mais pour l'instant, c'est pour les femmes. Donc si jamais, eh bien toi, tu aimes les vêtements pour femmes, eh bien n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et sinon, il y a donc des accessoires, donc il y a des bijoux, donc vous avez collier, bracelet, bague, vraiment bah, tout type de bijoux. Vous avez des accessoires du type écharpe, vous avez vraiment tout un tas de choses, des sacs, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des chaussures aussi. Et la dernière nouveauté, d'ailleurs j'ai fait des photos avec, donc je vais vous montrer. Il y a de la décoration, donc dans la décoration, il y a de la papeterie, il y a des petits objets de décoration, il y a des petites choses pour enfants, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, le lien est tout le temps dans la description, donc c'est www.newhope.fr. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai ça là et je vous mettrai du coup, je sais même pas si on peut mettre dans le petit i un lien pour aller vers un site, je sais pas du tout, mais en tout cas le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je meurs de chaud, je vais vous raconter ma vie hein, mais j'ai mes règles, donc clairement je les ai depuis hier, donc je suis les coups de chaud machin, je ne suis pas au top, j'ai la tête qui tourne de ouf, enfin bon bref, mais quand il faut travailler, bah faut travailler. Donc du coup j'ai reçu la nouvelle collection de la boutique hier. Ouais, c'est ça. Et donc là c'est vraiment une collection où eh bien j'ai sorti une collection avec plein de choses très cocooning. J'avais fait un sondage en fait du coup sur le Insta de ma boutique en demandant si ça vous intéressait. Donc le seul souci c'est que les ensembles très cocooning comme ça, eh bien c'est beaucoup du taille unique. Donc en fait là il n'y a que du taille unique. Donc il y a certains ensembles qui vont aller du XS au M petit L, voilà, et puis d'autres jusqu'au L vraiment. C'est le seul hic, mais vraiment j'adore, je trouve ça hyper canon. Et bon bah je suis un petit peu déçue parce que du coup j'aurais préféré avoir des ensembles qui allaient jusqu'à un petit peu plus et qui allaient vraiment jusqu'au LL pour absolument tous. Mais bon, en tout cas du coup je vais vous montrer ça au fur et à mesure. La pièce juste avant que je ne voulais pas encore, enfin je voulais pas, j'avais pas commencé à filmer, j'ai pensé que après que je voulais faire un haul, bref je réfléchis pas. Donc de toute façon je vais vous montrer du coup le premier ensemble qui est un ensemble du coup trois pièces tout simplement parce que il y a un kimono avec la ceinture intégré, voilà, que vous pouvez enlever si vous le souhaitez, si vous préférez sans. Et puis avec ça vous avez le petit débardeur avec la dentelle très joli, avec un joli petit décolleté, tout ça, enfin vraiment canon. De toute façon je vous montre ça. Vous avez le short qui va avec, donc aussi avec de la petite dentelle, donc vraiment vraiment canon. Et du coup le deuxième ensemble qui est vraiment canon, donc je peux pas vous dire encore le prix parce que je n'ai pas encore fait la liste des prix, mais d'ici là je vous mette de toute façon cette vidéo, j'aurai les prix, donc seront inscrits à chaque fois en dessous, et de toute façon tous les liens seront dans la barre d'information. Voilà. Le deuxième ensemble c'est celui-ci qui est absolument canon, donc c'est un ensemble jogging taille haute, donc avec le petit crop top. Donc en fait ce qui est super cool c'est que vous pouvez le resserrer, donc en fait il est vraiment très très large, donc ça va largement jusqu'au L hein, vous voyez il est très très large. Et moi ce que je kiffe trop voilà c'est le fait de pouvoir le resserrer et du coup que ce soit vraiment épouse un peu plus la taille, et du coup je trouve ça hyper canon. Il y a des poches, donc ça c'est génial. Il y a une capuche également bah, comme vous avez pu le voir au début. Voilà, il y a une petite capuche. Donc la matière est assez, je dirais, fine. Alors, c'est pas transparent ni rien. Et du coup, c'est une matière, vous savez, c'est pas la matière toute moumoute à l'intérieur. Et donc, du coup, je trouvais que pour la saison qui arrivait, donc du coup, le printemps, c'était un petit peu mieux. Parce qu'au moins, on va pas crever de chaud. Du coup, pour la mi-saison, c'est vraiment top. Voilà, mais sinon, il est très bien, il tient quand même chaud. Mais je veux dire, c'est pas la matière, vous voyez, toute moumoute, toute chaude, trop épaisse où on est en train de mourir. Comme dit bah, Juliette, parce que Juliette, du coup, elle les a vues. Ça fait un petit peu motif nuage. C'est hyper sympa. C'est un peu marbré en fait, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, j'aime trop. Et donc celui-ci, clairement pour moi, il peut aller jusqu'au L, enfin petit L, parce que bon voilà, vous voyez ça me resserre bien, mais il est pas mal élastique, voilà. Donc après ça dépend si on aime, enfin si ça nous dérange pas d'être un tout petit peu plus serré si on fait du L, mais honnêtement, voilà, vous voyez, il est hyper extensible quoi.
vous montre de profil. En sachant que j'ai le bidon un petit peu gonflé en plus, donc. Je ne vous raconte pas à quel point je suis en train de mourir de chaud, vraiment c'est une horreur. Je pense tourner de l'œil d'une seconde à l'autre. Voici le troisième ensemble qui a une matière un petit peu crêpe. Voilà, j'appelle ça comme ça, mais je crois qu'on appelle tout ça comme ça. Je sais plus regarder, j'ai remis n'importe comment, enfin bref. Comment vous dire que la matière du coup tient plus chaud. Enfin je trouve que la matière crêpe ça se tient assez chaud. Et en même temps c'est assez fluide, enfin je sais pas trop. Bref, c'est peut-être parce que moi je suis en train de mourir de chaud parce que là j'ai des coups de chaud, des chaleurs, je n'en peux plus. Donc il est absolument canonissime, pareil il a des poches. De toute façon, je vous aurai un petit peu montré au fur et à mesure. Là, je vous montre les photos, petites vidéos, etc. Il est resserré ici, mais par contre, au niveau du pantalon, il n'est pas resserré, il est large et du coup, je trouve ça hyper canon. Au niveau de la longueur, je sais pas si vous arrivez bien à voir sur les photos, mais bien évidemment, je suis toute petite, je fais 1m56, donc il est un petit peu long pour moi. Mais si vous faites alors, minimum 1m60, donc quelques centimètres de plus que moi finalement, parce que ça sera bon si vous. Après, moi, ça me gêne pas qu'il soit un petit peu long, mais si jamais vous, ça vous dérange, voilà, comme je vous ai dit, si vous faites 1m60, c'est peut-être mieux. Après, voilà, moi, pour traîner à la maison ou autre, je m'en fous d'avoir un pantalon qui traîne un petit peu par terre. Après, par exemple, si vous voulez le mettre dehors comme ensemble et pas juste pour traîner à la maison, si vous avez des baskets, la plupart des baskets, on a des semelles quand même qui sont assez hautes. Moi, par exemple, j'ai des Air Force classiques, mais avec l'effet compensé. J'ai pas les, je les ai aussi en plate-plate, mais j'ai aussi l'effet compensé et puis ça me met 5 cm de plus. Donc avec ça, je pense que la taille sera nickel. J'ai pas envie que ça traîne. Donc voilà, franchement, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben voilà, je le kiffe, quoi. Comme vous le savez, les ensembles, vous n'êtes pas obligé de les porter ensemble. Vous pouvez très bien porter juste le haut avec quelque chose, juste le bas avec quelque chose. Donc pareil, c'est une taille unique. De toute façon, je vous ai dit, tout est taille unique, donc je vais pas vous le redire à chaque fois. Niveau du haut, donc il est très crop top, hein, comme vous voyez, il est vraiment juste en dessous de la poitrine, il est très taille haute, donc vraiment c'est top si vous n'avez pas du tout envie qu'on voit votre ventre. Et du coup, pareil, il est assez large, donc ça ira pour le L. Le bas, tranquille, pour du L aussi. Hein. Mais voilà, après, je précise que forcément, plus votre taille est élevée ou plus votre taille est petite, bah, plus ou moins il va vous serrer. Moi, comme je vous dis, je fais du S. Après, là, j'ai le ventre pas mal gonflé, donc on va dire que je fais plus du M. Ah, au niveau du bas, parce que je vous dis, j'ai le ventre gonflé de fou quand j'ai mes règles, mais sinon je fais du S. Donc pour moi, en fait, pour le L, ça ira très bien aussi, sauf que comme je vous ai dit, bah, vous serez forcément un peu plus serré, ce qui est complètement logique. Donc c'est une taille unique, voilà. Voici le prochain ensemble, donc du coup, c'est celui-ci que je surkiffe à mort. Du coup, il est noir avec des écritures un petit peu blanchâtre grisâtre. Voilà, c'est. Je dirais que c'est un peu plus gris quand même. Ça ressort peut-être plus blanc, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu pas mal de reflets en fait quand il y a de la lumière. Parce que j'ai ma ring light juste derrière. Et il y a donc du coup comme des sortes de lacets ici. Et je trouve ça enfin, trop beau. Ils sont vachement longs. Dessus, il y a marqué Champion League. Et ça, du coup, je kiffe. Ce que j'adore, c'est que du coup aussi, il a des poches ici. Donc ça, c'est kiffant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que celui-ci, du coup, il n'est pas crop top. Donc je trouve que ça change des autres. Puisque bah, il est assez long en fait. Voilà. Je vous montre, j'ai mes fesses ici et ça va limite en dessous des fesses pour moi, mais comme je l'ai dit, I am toute petite, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, il est taille haute aussi, donc resserrable en fait, parce que vous avez également l'espèce de lacet comme ça. Mais ça c'est cool parce que du coup vous pouvez le resserrer à votre guise. Donc si par exemple vous faites du XS, et bah vous pouvez vraiment grave le resserrer. Comme ça il peut largement vous aller. Donc ça c'est trop cool de pouvoir le régler. Il est élastique aussi quand même. Il y a aussi des poches au niveau du pantalon, donc ça c'est trop cool aussi. Comme ça vous avez des poches en haut, en bas, c'est nickel. Donc comme ça en plus si vous voulez juste mettre le haut, ou enfin juste mettre le sweat ou juste mettre le jogging, bah vous aurez des poches dans tous les cas, donc ça c'est vachement cool. Après j'adore, voilà, les petites écritures, donc pas censé vouloir dire grand chose, hein. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire, c'est un espèce de W, mais j'adore en fait ce truc de style écriture un peu à la Walloggen un peu partout. Je trouve ça hyper canon comme motif, franchement j'adore, et hyper cocooning, hyper stylé pour sortir même avec petite veste en cuir ou un truc comme ça, ça je trouve ça trop canon, une petite veste en jean avec des baskets ou même avec des styles doc, je trouve ça trop canon. Moi si vous aimez, donc pareil il est pas trop épais, il tient quand même bien chaud mais il est pas trop épais, donc comme je vous ai dit pour la mi-saison c'est pépite. Voilà, vous n'allez pas mourir de chaud. Il y a, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a la capuche également. Voilà, en plus il pleut, voilà, puis même si vous voulez le petit style comme ça, on aime bien. Donc comme je vous ai dit, en plus si vous avez envie de mettre ça avec une petite veste en cuir, une petite veste en jean ou autre, bah, et que dedans vous n'avez pas de capuche, bah, vous avez la petite capuche quand même au cas où, donc ça c'est trop cool. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet ensemble que je surkiffe. Du coup, le haut, bon, bah, largement, il va jusqu'au L. Hein, voilà, il est très large.
Et puis, bah, pour moi, c'est pareil. Enfin, ouais, si. Ouais, remarque, non, regardez. Et pareil, vous serez un peu plus serré si vous allez jusqu'au L, quoi. Bon, du coup, prochain ensemble que je crois que c'est mon préféré. Je sais pas, je les aime tous de fou, mais lui, j'ai un gros, gros, gros coup de cœur. J'adore, de toute façon, cette couleur bleue. Genre, vraiment, je suis ultra fan de cette couleur bleue qui est à la mode maintenant depuis plus d'un an. Je surkiffe ça, je trouve ça hyper, hyper, hyper canon. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est un ensemble trois pièces, encore une fois, comme le tout premier. Il y a un gilet, en fait, tout simplement. Et en fait, ce que j'adore aussi dans cet ensemble, c'est que vraiment, les trois pièces, on peut les porter séparément. Alors, vous n'avez pas une pièce ou deux pièces, vous avez vraiment trois pièces complètement que vous pouvez complètement mettre à part, que vous n'êtes pas obligé de mettre uniquement à la maison. Donc ça, c'est vraiment trop trop cool. Donc voilà, vous avez ce petit gilet qui ne se ferme pas, hein, voilà, c'est un petit gilet comme ceci. La matière est juste ouf, donc il est tout côtelé, tout l'ensemble est côtelé, vraiment la matière est dingue. Enfin moi j'adore la matière. Donc voilà, vous avez hop, comme un petit col un petit peu rond. Vous avez ensuite le crop top, donc le crop top a des toutes petites bretelles comme ceci. Il est crop top donc quand même, voilà, vous voyez mon nombril ici, donc il n'est pas non plus crop top juste en dessous des seins. Il est un petit peu plus long quand même, donc avec un taille haute, que ce soit un jean ou avec ceci ou peu importe, voilà, du moment que vous avez un taille haute, genre c'est parfait parce que voilà, si vous aimez pas pareil qu'on voit votre ventre, bah voilà, c'est nickel. Enfin, si vous aimez qu'on voit votre ventre, bah, vous pouvez mettre ça avec un taille basse. Enfin, moi, ça, je sais que voilà, ça me gêne pas plus que ça. Donc, vous avez ensuite, en fait, c'est ça que j'adore, une sorte de cycliste. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, de toute façon, je vous mettrai les photos qui est juste trop trop canon, quoi, en fait. Enfin, j'adore. Pas du tout transparent, vraiment nickel, donc vous pouvez porter comme vous voulez, vous pouvez même porter pourquoi pas pour faire du sport ou autre. J'adore genre ça avec des petites baskets, mais moi je sors même dans la rue comme ça, enfin sans souci quoi. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup trop. Au niveau du gilet, pour moi voilà, c'est pareil, ça va jusqu'au L. Le petit crop top, je dirais que ça va jusqu'au L, mais si vous avez une forte, forte poitrine, donc moi il faut savoir que je fais du D, un petit D on va dire maintenant je pense, je mets plus de soutifs donc ça se trouve j'en ai perdu des seins, je ne sais pas, mais je fais minimum du C en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et en fait ici je sais pas si vous allez voir, mais du coup voilà, c'est quand même un petit peu large, mais c'est pas voilà, enfin j'ai peur que si vous avez vraiment une très 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 forte poitrine, vraiment très très généreuse, voilà, c'est peut-être ce que ça sert, parce qu'on peut très bien faire du L en haut et ne pas avoir une poitrine énormissime, ou inversement on peut faire du XL, c'est avoir une très très forte poitrine. Bref, c'est un petit peu le hic on va dire pour les fringues. Et au niveau du bas, voilà, c'est pareil, c'est excessivement élastique, c'est super confortable, mais voilà, comme je vous dis, c'est très 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 élastique, donc franchement jusqu'au L tranquillou. Moi, si vous faites vraiment du XXS, enfin vraiment très 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 fine à ce niveau là, peut-être que ça va vous déranger, peut-être que vous avez trouvé ça baille un petit peu, je ne sais pas. Je suis quand même assez fine au niveau de la taille, vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez voir, j'ai surtout beaucoup de hanches, voilà, mais sinon une toute petite taille. Donc pour cet ensemble là que je surkiffe, je crois que je vous ai tout dit à ce sujet. Je vous montre le prochain article. Donc cette fois-ci ce n'est pas un ensemble, c'est un petit pull, j'ai flashé dessus. Donc c'est un petit pull crop top, voilà, j'ai jamais mis de petit pull crop top, il est d'une douceur extrême, il a un effet torsadé. Je vais vous montrer, hop, le motif un petit peu plus près. Il est très très doux, il tient bien chaud, il a un petit col rond, vraiment il est trop cool. Au niveau pareil de la taille, ça ira largement jusqu'au L, vous voyez, il est assez large, les manches sont très élastiques, donc pour ça ce sera vraiment topissime. Voilà, il est vraiment doux en plus comme je vous ai dit, donc ça vraiment je surkiffe. Voilà, comme je vous ai dit, vraiment la couleur bleue je surkiffe, mais vous voyez ce n'est pas, donc j'ai gardé en fait le cycliste, ce n'est pas la même couleur, celui-ci il est un peu plus bleu turquoise on va dire, et celui-ci je sais pas comment définir la couleur, mais bon vous voyez un petit peu la différence. Celui-ci tire vraiment plus sur le turquoise et celui-ci c'est un bleu un peu plus violet on va dire. Je trouve que c'est comme ça que ça ressort en fait quand je regarde. Vous voyez que les manches sont assez longues, donc en fait c'est vraiment pour que ça puisse aller même au bras un peu plus long. Donc après moi ça me gêne pas, on monte un petit peu comme ça et ça reste très canon quoi. Voilà, je l'adore, il est trop trop beau. Et puis vraiment à porter avec n'importe quoi quoi. Bon, dernière tenue et pas des moindres puisque je la surkiffe. Donc les ensembles c'est fini, hein, voilà. Je vous l'ai pas dit mais en fait le bleu c'était le dernier ensemble que j'avais à vous présenter. Mais du coup j'ai flashé mais littéralement sur cette robe qui est absolument sublime. Donc en fait c'est un effet comme si on avait une jupe très très haute qui allait juste en dessous de la poitrine et comme si on avait rajouté un petit sweat dedans, et je trouve ça hyper canon, hyper sexy. J'adore, je trouve que ça met en valeur la poitrine de fou, je trouve ça hyper canon, vraiment j'aime trop. Elle tient chaud mais pas trop, genre c'est vraiment ce qu'il faut comme je l'ai dit pour la mi-saison. On adore, ça fait des formes absolument magnifiques, j'adore. Hier
Pas du tout. Derrière, je ne vais pas dire hier, je vais dire derrière. Derrière, il y a une fermeture éclair qui descend quand même assez bas pour qu'on puisse bien l'enfiler. Et ce qui est vachement bien, c'est que le simili-cuir est quand même assez élastique. Donc du coup, on peut quand même bien rentrer notre popotin dedans. Les manches sont un petit peu... Enfin, sont larges en fait, c'est pas un petit peu, sont larges quand même. Resserrées au bout. Petit col quand même qui monte vraiment jusqu'au cou. Donc c'est un petit col rond. Donc elle est noire, hein, comme vous avez pu le voir. Elle est vraiment ultra canon. Donc voilà, je l'aime beaucoup trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc pareil, c'est une taille unique. Je ne comprends pas pourquoi ils font des tailles uniques pour ça, mais bon, c'est la vie. Parce qu'en fait, j'ai trouvé de nouveaux fournisseurs que j'aime beaucoup et je voulais du coup tester chez eux. Donc une grande partie, ça vient d'Italie en fait, dont celle-ci qui vient d'Italie. Et je sais pas, ils adorent les tailles uniques. Et vraiment, quasiment tout, c'est du taille unique. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont du mal avec le taille unique. Enfin, avec la... Oui, la taille unique. Enfin bref, non, c'est plutôt la taille unique. Vraiment désolée. Mais de toute façon, si vous avez la moindre question, si vous ne savez pas trop si ça vous allait ou pas, si vous... Enfin, voilà, si vous voulez même m'envoyer une photo de vous pour que je vois un petit peu bah, par rapport à votre morpho, par rapport à comment vous êtes, etc. Eh bien, je pourrais très bien vous renseigner, vous dire si d'après moi, eh bien, ça ira ou non. Donc celle-ci, pour moi, clairement, ça va du XS au M. Je pense que L, ce sera trop serré. J'aurais trop peur de vous dire oui, allez-y, prenez-la si vous faites du L, alors que ben voilà, ça vous ira pas et vous serez déçu. Même moi, je suis déçue que ça aille pas plus que ça, mais c'est vrai que j'ai flashé dessus, donc je voulais trop la prendre. Donc voilà, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ben, ce haul vous a plu. Et si jamais ben, vous avez envie de choper les pièces de ce haul ou si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur ma boutique, n'hésitez vraiment pas. Les liens sont dans la barre d'infos. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !